j'ai su qu'il avait été très malade. Alors je lui ai fait savoir que je voulais le voir tout de suite. Alors on s'est donné rendez-vous à Paris. On avait toujours voulu aller à Paris ensemble. On a pris un hôtel. Et là, on savait pas quoi faire. On était gênés, comme des enfants. Alors on est tout de suite ressortis de la chambre et on s'est promenés. On s'est promenés longtemps, on a traîné comme ça, pendant des heures. On n'a presque pas parlé. On était tous les deux. Et je crois qu'on s'est pris la main. En fait, on n'osait pas. On avait peur. Et puis quand même, on est retourné à l'hôtel. Et le lendemain, on est reparti chacun de notre côté. Et puis il est mort. Un jour plus tard. À 9h25 le soir. Quand j'ai appris ça, j'ai cru que j'allais mourir. Et mon mari et mes enfants, ils avaient peur.